Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, ça va être un vlog un peu plus différent. On recommence. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est samedi, mon Dieu, le soleil. On est samedi, il est environ 10h30 et je m'apprête à faire un nouveau vlog. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent là, parce que je vais vous montrer l'intérieur de ma valise d'hôpital pour moi et pour bébé. Puis, parce que je sais que c'est un vidéo qui a été tellement demandé. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment relax. En fait, ce week-end puis le week-end passé, mon chum, il est en formation, en fait, pour des cartes de la construction. C'est son emploi là, qui demande de faire ça. Fait que, voilà, fait que je suis toute seule. C'est bien relax. Je vais faire de la popote aujourd'hui. Puis, c'est très relax, là. Sérieux, je suis genre en outfit, presque pyjama, puis ça va être ça. J'aime vraiment ça, être confortable. Ces temps-ci, là, j'ai... c'est pas, on dirait, j'étais en mode... comme relax, fait que c'est ça, je suis tellement essoufflée, là, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'aujourd'hui, je suis à 36 semaines et quelques poussières, donc peut-être quand je vais publier cette vidéo-là, je vais être proche de 37. Ça s'en vient la fin, je suis presque à terme, fait que j'ai un rendez-vous ce mardi, là, qui s'en vient pour un suivi de grossesse, pour voir si le travail a commencé, fait que j'ai hâte de voir, puis j'ai un écho de croissance aussi, parce que bébé était gros, fait qu'on veut savoir si on va devoir provoquer ou non. Fait que c'est ça, je vais vous montrer mon petit outfit, là, c'est comme un genre d'ensemble détente que j'avais reçu. Puis pour elle, je l'aime vraiment, fait que je vais vous montrer ça. Donc voilà l'ensemble, c'est une petite camisole, comme ça, avec un pantalon genre, je sais pas si on voit, mais c'est comme un trois quarts, on dirait, évasé, ma grosse bédaine. Donc j'aime vraiment ça, là, porter ça pour elle, ça va être ça mon outfit de la journée. Donc c'est ça, fait que là j'ai fait mon petit café, je me suis préparée un peu quand même, puis c'est ça, j'ai déjeuné ce matin un genre de grilled cheese avec un œuf dedans. C'était super bon. Comme ça, ça c'est un peu plus nourrissant. Donc là, je vais tout de suite, de ce pas, vous présenter ma valise d'hôpital. Puis en même temps, je vais la terminer parce que c'était pas terminé. J'étais un petit peu dernière minute, mais c'est ça. Je vais comme vraiment la terminer, la conclure, puis en même temps, vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc si jamais il manque des choses, puis qu'il y a des choses que vous dites, hey, « moi, j'avais ça à l'hôpital, puis ça m'a vraiment comme... » Ça a sauvé ma vie, peu importe. Écrivez-moi-le en commentaire, comme ça je vais pouvoir l'ajouter. Je vais avoir le temps en masse, donc voilà, je vous présente ça. Puis tant qu'à être dans le vlog, je voulais vous montrer le update de la salle de bain. Donc mon chum a fini la céramique à terre et sur la douche, il reste juste à gratter là, puis mettre le coulis. Fait que c'est tellement beau, je suis trop contente, fait que je vous montre ça. Un petit sneak peek, fait que je suis vraiment fière de lui, vraiment beau. Comme je dis, il manque juste le coulis, après ça on va pouvoir mettre toutes les meubles. Ah ouais, donc j'ai vraiment hâte là, pour vrai. Je taboute, j'ai hâte d'aller faire pipi là, et non aller en bas. Fait que de toute façon, comme je vous ai expliqué, je vais faire un beau vlog avec tous les détails là, de la rénovation, fait que petit sneak peek. Ah, voici ma valise, c'est une carte d'une classe, je l'ai pris au HomeSense Winners. Donc c'est comme un moyen format, c'est parfait là, pour... la valise d'hôpital, fait qu'il y a autant pour bébé que moi, et mon chum va se faire un gros sac de linge pour lui, là. On s'entend, c'est genre deux outfits au pire, là, mou, puis c'est pas mal ça. Fait que je vais ouvrir ça, puis je vous montre ça. Bon, je sais pas si l'angle est pas pire, je l'ai accroché sur le lit de Mia avec mon rack, c'est vraiment le fun pour ça. Je suis tellement pas bien assise, à cause de la bédaine est comme pliée. Mais bon, fait que je vais vous montrer l'intérieur de la valise, donc ma portion et la portion de bébé. Donc je vais commencer par ma portion pour commencer. Donc, c'est sûr que moi, je vous conseille d'amener Juliette. Vous la voyez pas, je sais pas. Là. T'es tout le temps là. Tu veux aller dans la valise? Viens t'aller dans la valise, maman. Viens ici. Viens ici. Viens. Bon. OK, donc, je vous conseille d'amener peut-être deux ou trois ensemble mou. Moi, ça va être vraiment ça, mon go-to, comme on dit, à l'hôpital. Puis même en revenant, là, tu veux juste être confortable. Donc, j'ai amené ce set-là qui est comme un ensemble haut et bas que j'avais reçu de Everyday Sunday Montréal. Donc, très confortable. Je le mets tout le temps. Fait que c'est pour ça que j'ai comme attendu en dernière minute avant de le mettre. Le kit que j'ai en ce moment qui est comme un genre de pyjama loungewear, je vais aussi peut-être l'emmener là avec un petit peignoir qui est juste pour par-dessus si jamais j'ai froid. Donc, ça c'est un extra. Mais vous pourriez amener une robe de chambre aussi. Là, c'est ce que je trouve ça gros dans la valise. Donc, moi, c'est vraiment juste un qui arrive comme là. Juste pour dire que c'est comme une petite veste peignoir. Ensuite, j'ai amené ça ici que j'avais reçu de Stork. C'est genre une genre de robe, robe d'allaitement. Donc, avec les petites clips ici. Je me suis dit que ça serait super facile à enfiler là, à l'hôpital. Donc, tu sais, exemple, quand je suis couchée, puis même pour aller aux toilettes, là, vu qu'en bas, c'est ouvert. Donc, vraiment comme
une petite robe, robe camisole. Fait que ça, je trouve ça vraiment pratique. Puis moi, comme je vais allaiter, ben ils vont souvent venir plugger le bébé. Fait que ça va être super pratique. Donc ça ici. Ensuite, j'ai aussi camisole d'allaitement de Stork qui est pratique aussi. Comme je dis, moi, je vais allaiter. Fait que ça va être vraiment pratique à ce niveau-là. Donc ça ici. Puis je vais partir avec sûrement mes leggings Lululemon. Donc que je mettrai exemple avec ça ou un pantalon loungewear, là, peu importe. Ensuite, j'ai ma jaquette d'hôpital. Oui, oui, ça va être ça avec quoi je vais accoucher. Donc, je vous en avais déjà parlé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre. Donc, c'est une jaquette d'hôpital fancy. Donc, on n'est pas obligé d'apporter la jaquette bleue. Puis, dans le fond, ça, c'est vendu chez Institut Maya, si jamais vous demandez. Il y a l'ouverture en arrière pour l'épidurale, si jamais vous la voulez. Puis, elle est fendue vraiment pour pouvoir accoucher, là. Donc, elle est vraiment belle. Je l'adore, sérieux, là. Tu sais, comme, à la place d'avoir une jaquette bleue, tu sais, tu rends ça tout le fun, les couleurs. Il y en a vraiment beaucoup de modèles aussi, de couleurs, là, en fait. Fait que ça. Donc, je dirais que ça ressemble pas mal à ça. Il y a des bobettes qu'il faut amener. Donc, je vais quand même l'emmener, mais pas beaucoup parce que je vais vous expliquer pour la suite. Puis une brassière, mais je pars avec ma brassière. Puis tu sais, comme à l'hôpital aujourd'hui, on m'a dit qu'on restait environ une nuit. Normalement, si t'accouches voie naturelle puis qu'il n'y a pas de complications. Puis si c'est par césarienne, normalement c'est deux nuits, là. Donc, tu sais, même je porterai la même brassière 2-3 jours. C'est pas la fin du monde. Juste boire de l'eau. Donc, si je porterai la même brassière 2-3 jours, comme je disais, c'est pas la fin du monde. Mais je vais quand même en amener une de plus qu'elle que je vais partir avec. Donc, ensuite, j'ai amené deux biberons pour bébé, qui sont des Como vendus chez Agatha. Moi, je les adore pour vrai parce que c'est vraiment en conséquence, ça imite le sein vraiment, puis c'est débilant. Il y a la tétine qui est en fonction de l'âge de l'enfant et tout ça, en tout cas. Fait que j'en amène deux au cas où. Ensuite, j'ai amené vraiment beaucoup de débarbouillettes. Je me dis qu'on en a jamais assez, puis là-bas, c'est peu importe, là, c'est pour... Je sais qu'il y en a, mais écoute, moi, j'aime mieux en amener, que ce soit pour moi ou pour le bébé. Deux papiers de toilette, j'ai lu beaucoup, puis il y en a beaucoup qui me conseillaient d'en amener, fait que j'en amène. Une petite bouteille d'eau, très important, parce que je vais vouloir m'hydrater, puis ça, indispensable, puis en plus, c'est écrit « I pushed », c'est vraiment hot. Donc, pourquoi je disais que j'amènerais pas beaucoup de bobettes, c'est parce que j'amène des sous-vêtements jetables de Frida Mom, donc 4 paires, quand je pense que ça va être en masse. Donc, c'est comme genre de couche, mais moins épaisse, là. Fait que vraiment pratique pour pas tacher vos culottes. Surtout les premiers jours, c'est comme supposément qu'on saigne vraiment abondamment, là. Étant donné que tu viens d'accoucher, puis c'est les flux sanguins qui sortent, là. Fait que 4 bobettes comme ça. Ensuite, 4 paires de refroidissants comme ça de Frida Mom. Même chose si j'accouche par les voies naturelles, ça risque de faire un peu mal down there. fait qu'on m'a beaucoup conseillé ça dans le fond, puis c'est dans le fond des pads que tu craques, puis ça vient froid comme les fameux popsicles que tu mets au congélateur. Donc ça, j'en ai 4, fait que ça va être vraiment pratique. Je pense que ça va être parfait là, assez, parce que t'es pas besoin de tout... Ah, j'ai mal dans le dos, juste à être assis main. Donc, t'as pas besoin d'être tout le temps, de tout le temps les mettre, là. Fait que, genre, je vais en avoir 4 si jamais. Donc, je vous dirais que pour ma portion, c'est pas mal ça. Très simple. Donc, comme je dis, tu sais, si je reste 2 jours, mettons, ben là, c'est sûr qu'il manque d'autres choses. Genre, on va s'amener une glacière avec des collations, des trucs à boire. Ça, c'est sûr, plein d'affaires. Sinon, mon chum se prépare son sac de son côté. Fait que, pour moi, c'est pas mal ça. Je vous dirais. Fait que vous me direz s'il manque. Il manque. Ah oui, mais attendez. J'ai oublié ça, là. Tu t'entends? Donc là, je parle trop vite. On recommence. Ok, j'ai pas fini. Dans le fond, là, je me suis amené une trousse avec ma brosse à cheveux. Je me suis amené. Oui, la fameuse Frida Mom comme ça pour rincer le périnée tout en bas pour. T'sais, pour pas que ça brûle et tout ça. Puis celle-là est vraiment bien, je vais vous la montrer. Je l'ai achetée sur Amazon. Donc ça ressemble à ça. Mettons, j'avais amené celle-là, contrairement à elle. Tu sais, elle, faudrait la remplir vraiment au max pour pouvoir peser. Tandis que elle, tu sais, elle est vraiment faite pour la tenir comme ça. Donc on m'a dit que c'était vraiment un indispensable. Elle sert super bien. Regardez, elle a un sac. Fait que je vais tout de suite la mettre dans ma valise.
Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, donc ensuite, oui, c'est vrai. J'ai amené. Hein, pourquoi j'ai dit que j'avais fini? J'avais pas fini. J'ai amené des pâtes d'allaitement comme ça ici. Ça va être vraiment pratique si j'ai des montées de lait, mais des fois, ça arrive normalement 3-4 jours après. Là. Fait que peut-être que je n'en ai pas besoin. Des élastiques à cheveux, j'en ai quand même beaucoup. Mon déodorant, j'en ai un de plus. Tu sais, j'ai préparé l'essentiel, c'est juste que, tu sais, comme crème visage, puis je m'en sers à tous les jours. Donc ça va être vraiment dernière minute que je vais ajouter ça. Un petit lipsil parce qu'on m'a dit que c'est tellement sec les hôpitaux que ça va être vraiment parfait là, pour s'hydrater. J'ai amené des suces d'hôpital, donc comme ça. J'ai amené mes verres de contact, là, des paires, parce que si jamais ça me tente pas de porter mes lunettes, mais ça m'étonnerait là, que je mette mes verres de contact. Donc là, c'est vrai, ça ressemble à ça. Donc comme je vous dis, pour le reste, je vais le rajouter vraiment dernière minute parce que c'est des choses que je me sers en ce moment. Aussi, il ne faut pas oublier le fameux papier pour faire la demande de la chambre, donc la pré-hospitalisation. Donc ça, il faudrait bien que je la remplisse aussi, genre là. Puis dans le fond, tu la donnes à l'hôpital pour... dans le fond, c'est pour tes assurances, là, savoir quelle chambre tu veux et tout. Il faudrait bien que je la remplisse tout de suite, je vais la mettre de... Ensuite, là, on va plus du côté bébé. Là, c'est sûr que je me suis laissée emporter parce que je sais pas quoi trop... Je sais pas trop quoi amener, fait que... Même chose, vous me direz s'il manque ou si j'ai trop amené de choses, mais j'aime bien en avoir plus que pas assez. Ça, c'est sûr. Donc. Wow. Petit kit de couche comme ça. J'ai amené des newborn. Ouais, des newborn. J'ai amené juste des newborn? Ouais, je pense que j'ai juste amené des newborn. Fait que je pense que je vais me rajouter des taille 1 si jamais, là, mais. C'est juste qu'eux sont faits pour le cordon et tout ça, fait que c'est mieux, là. Je crois, en tout cas. Fait que j'ai amené quand même beaucoup de couches newborn, un sac comme ça que j'avais. J'ai amené des un paquet de lingettes, si jamais. Ensuite, pour la sortie, j'ai amené un petit truc comme ça. Moi, j'ai le petit coulou avec dans la coquille, fait que c'est déjà très chaud, mais j'ai rajouté ça, qui est tellement cute. Il vient de chez Souris Mini avec les petites oreilles de lapin. Une petite tuque comme ça, newborn de M. Pompon. Il est trop cute. Ensuite, j'ai amené deux paires de chaussons, dont ceux-là sont tellement cute, de petits Toosie. Donc là, ils sont pas attachés, mais très cute. Et ceux-là qui sont encore plus petits, vraiment très newborn, que ma mère elle avait acheté à Charlevoix, tricoté. Donc, vraiment cute. Donc, j'ai amené deux paires comme ça. Je pourrais réchauffer les petits pieds. Ensuite, en termes de cache-couche, j'en ai amené un, deux, trois, quatre. Quatre cache-couches. Ouais. Donc, j'ai amené, dans le fond, des 3 mois. Au cas où, parce que comme je dis, mon bébé, ça se peut qu'il soit gros, ça se peut que non. Fait que j'ai amené des 3 mois, des 2-4 mois. J'en ai des newborn. Ouais, j'en ai genre 2 newborn puis 2 0-3 mois à peu près. Je pense que ça va être plus en pyjama qu'en cache-couche, mais si jamais, ça va être ça. J'ai amené des petites mitaines avec un petit chapeau comme ça. D'autres mitaines, donc 2 paires de mitaines, un petit chapeau. Ensuite, en termes de pyjama, ça, là, je savais pas comment en amener. Puis, comme je dis, moi, vu que j'ai un gros bébé, j'amène comme newborn et 0-3 mois. Fait qu'en termes de pyjama, j'en ai amené quand même une couple. Là. J'en ai amené 3, 4, 5, 6. J'en ai 8. Donc, 8 de chaque grandeur. 4 de chaque grandeur, je pense que c'est quand même correct. Donc, je peux vous les montrer qui sont vraiment cute. Donc, j'ai lui qui est comme évolutif, là, qui va être super parfait. Donc, avec des petits nounours comme ça. Tellement cute. C'est ça, il se plie là, comme avec des petites pattes. Sinon, il sauve si jamais le bébé est trop gros. Il vient de chez Aiden and Ashton, que j'avais acheté au 10-30. Donc, lui. Ensuite, j'ai lui que ça, j'avais payé une fortune. Au début, quand j'ai su que j'étais enceinte, je l'ai acheté chez Agatha. C'est la marque Petit Bateau. Donc, il est vraiment cute. Il est tout doux en plus. Comme ça. Donc, ça, il risque d'être trop grand. Là. Je suis pas mal sûre. Fait que je suis pas sûre d'y mettre à l'hôpital.
J'ai celui-là 3 mois de Carter's aussi qui va être sûrement trop grand. Mais écoute, comme je dis, j'amène plus que pas assez. Ça qui est un newborn tellement mignon, acheté chez Surimini, c'est minuscule. Genre, je peux pas croire que j'aurai un bébé petit de même. Mais bon, fait que ça, c'est vraiment cute. Newborn. Ensuite, j'ai deux pyjamas newborn comme ça de chez H&M. Puis deux pyjamas comme ça qui sont des 0-3 mois aussi de... Je pense que ça vient du HomeSense Winners. Fait que ça ressemble à ça pour les pyjamas. J'ai amené aussi deux autres petits bonnets comme ça là, qui viennent de chez H&M, je pense. Puis celui-là vient de chez Agatha. Ouais. Donc, ça c'est ça. Mon chum voulait qu'on amène cette petite peluche. Vraiment cute. Il y a des chez Agatha aussi. C'est la marque Calou. Vraiment cute. Ensuite, j'ai amené deux mousselines. Je pense que ça va être vraiment pratique. Les deux, je pense qu'ils viennent de chez HomeSense. Elle vient de chez Bull. Puis elle, de HomeSense. Je pouvais pas m'empêcher d'amener mon petit kit. Mais je sais que je le mettrai pas, mais c'est pas grave. En lainage. Oups. Comme ça. De chez Surimini. C'est du newborn. C'est parce que je vais tellement pas passer à côté, là, je vais vraiment y mettre. Fait que... Ah ben, c'est 0-3 mois. Je pense que ça va y faire. Ouais. Puis, dans ma trousse que je vous ai montrée, j'ai amené des produits pour le bébé, comme pour le bain et tout ça. Donc, je vais vous montrer ça deux petites secondes. Donc, dans ma petite pochette, je ne l'avais pas montré, mais j'ai amené des produits pour bébé aussi. Donc, je n'ai pas trop amené non plus. Mais je sais qu'il y en a à l'hôpital. Donc, j'ai amené poids de senteur, le lait de douceur. Comme ça. Puis, j'ai amené la mousse de douceur, tu sais, pour le premier petit bain. Mais c'est encore là avec la COVID. Je ne sais pas si on le fait. Le poids de senteur. J'ai amené aussi la crème pour érythème fessier. Mais je ne penserais pas au début qu'on mette ça. Écoute, je sais vraiment pas. Donc, c'est vraiment les produits que j'ai amenés pour bébé par rapport à ça. Donc, écoutez, gang, c'est pas mal ça. On dirait qu'il manque de quoi, là. Fait que dites-moi ça en commentaire s'il manque de quoi, autant pour bébé que pour moi. Peut-être des petits bas, mais j'ai pas amené de bas, des bas. Ouais, je pense que je vais en rajouter deux paires de bas pour bébé, mais j'avais les petits chaussons. Fait que je me suis dit, non, mais je vais quand même en mettre deux paires. Les couches, je vais rajouter taille 1, mais sinon, je sais pas ce qui manque. Fait que vous me direz ça en commentaire. Que je rajoute deux petites paires de bas blancs. Fait que ça, c'est la partie à bébé, puis il y a ma partie là. Voilà. Bon, oups. Bon, fait que là, je vais me faire un petit dîner. Je viens de filmer un petit reel tellement drôle parce que cette semaine, je vous parlais de mon struggle de me raser, tu sais. Puis c'est comme rendu vraiment compliqué autant pour les jambes que tout le reste. Puis là, j'ai fait un petit reel vraiment juste humoristique. Ça me fait tellement rire. En tout cas, si vous l'avez pas vu, vous irez voir ça sur mon Instagram. Puis là, je vais faire des recettes cookies. Je vais en faire deux aujourd'hui parce qu'il y en a une que c'est vraiment long. Puis que c'est moi qui l'ai pris, là. Parce que ça vient, c'est une recette d'un chef qui est classe des maîtres. Donc, c'est vraiment une recette le fun. Mes mèches, ils m'énervent tellement, là, sérieux. Genre, je suis pas sûre que je vais refaire ça. Je pense que je vais les laisser pousser. Puis. Donc, la recette, c'est bœuf braisé au bacon et aux pleurotes. Comme ça. De cookies. Donc, ça a l'air vraiment bon, mais c'est 2 heures de cuisson. La viande, elle a l'air excellente. Donc, je vais faire ça. Puis ça aussi pour souper, donc peut-être qu'on mangera pas les deux, mais je vais faire les deux recettes. Donc c'est la poutine batata bravas. Oups, comme ça. Ça a l'air tellement bon, donc je vais préparer ça. Je vais vous laisser mon code promo ici, là, si jamais ça vous intéresse. Ça vous donne un 40$ de rabais, fait que ça vous revient comme à, je pense, 29$ autour de ça, là, pour 3 recettes, 2 portions, 3 portions en tout cas. Il faudrait que vous alliez voir, vous pouvez choisir là, ce que vous voulez de toute façon. Puis les recettes changent à toutes les semaines, fait que c'est vraiment le fun. Puis moi, je me prends tout le temps des trucs dans le garde-manger là, pour ajouter à ma commande. Donc, je vais dîner, puis je vais commencer à préparer mes petites recettes. Je vais vous montrer, là, j'ai fait comme saisir le bœuf, fait que c'est prêt à aller au four. C'est quand même compliqué, là. C'est la première fois que je prends une recette, comme je dis, d'un chef. Mais ça va être vraiment bon, fait que je mets ça au four pour 2 heures couvert, puis il y a déjà aussi de quoi dans le four, là, c'est des rutabaga, donc des navets comme dans la crème, ça va être débile, là.
Bon, fait que je vais terminer mon vlog là-dessus. Je pense que la valise d'hôpital a pris beaucoup de temps dans le vlog. Donc là, on s'est fait des petits snacks avec ma pédine. My God. Des mangues congelées, puis du popcorn au sel et vinaigre que je partage avec mon chum. On dirait que je suis une truie. C'est quoi j'allais dire? Je m'en rappelle plus. Non, je m'en rappelle plus. Fait que je vais terminer le vlog sur ça. On va écouter la télé. Mon chum qui me regarde, fait qu'il est malaisant. T'as toujours fini de me regarder. Hey, attends pour faire ma lumière. Tu l'as avec ton sel? Ça marche plus? Oui. Non, j'ai changé genre. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker. Puis, n'hésitez pas à vous abonner. Puis sinon, ben, on se retrouve dans un prochain vlog. Bye tout le monde!